Et hop là! Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos aventures! Ça faisait un petit bail que j'avais mis ce jeu de côté là. On se prend raclée sur raclée. Alors qu'on a pris un petit peu du galon, on va tenter de y aller jusqu'au bout. Alors, voyons voir. Machette, la tir parfait. Arme lestée, fléau, lance primitive. T'avais pas mal la lance primitive. Griffe, fouet. Allez, on va prendre ça. C'est parti! M1 cuiguille! Est-ce que je passe par là? Bon, ça va coûter cher en corruption dès le début. Alors, épée de feu, si c'est ça, les attaques chargées. Et le coup final, ouais, du feu, du combo. 3% par point de perception. Toc, toc, toc. Ah, ça va être pas mal, ça. Alors, Eh, vite, 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 vite! Ouh, il y en a deux! Ouh, houhouhouhou! Merci la bombe, hein! De stunt les ennemis. Ok, je peux te mettre un peu là-bas. Ça crame. Hop là. Oh, le petit passage secret. Allez, bye bye. En coût d'offrande de 100, je crois à 10%. Est-ce que j'en avoir besoin? C'est en plus, ouais, je vais peut-être le prendre. Dans les ténèbres. Oh, 100% à tous les effets de soins. Ça, on va prendre. Allez, c'est parti pour la première malédiction.
Alors, votre tort perd ses propriétés de feu et de lumière. Vous ne subissez plus. Ah bah super. Et en effet. Aïe. Ah, par ici le pognon! Ah, c'est pas bon, j'ai déjà commencé à perdre un peu de vie. Alors, on va prendre le petit bazar secret. Oh! Voilà, bye bye. Je sais plus s'il y avait des... un coffre ici, voilà. Ouhouhou. Ouhouhou. Ça fait mal là, ces ténèbres. Ça pique. Elle venait par ici là. Oh là là là. Ouais. Et bah parfait. Ah, c'est ça ma bombe hein. Tue un ennemi, déclenche une large explosion affaiblissant tous les ennemis aux alentours. Ça va être pas mal ça. C'est bien pour affronter les petits ennemis faibles. Oh, il y a un truc à faire, ça. J'ai amélioré cette dague. Elle fait mal aux ennemis enflammés. Ça va être intéressant. Hop. Faut que je fasse le coup chargé de mon épée pour enflammer. C'est vrai que ma torche elle a perdu ses petites propriétés.
5%, ça vaudra pas le coup. Pas de coffre ici. Ok, un gros loulou là-bas. Reste loin. Oh oh. Pour les dagues. Oh. Mais ma petite dague, elle va commencer à faire bien mal. J'ai 20%. Ah non, 20% supplémentaire. Ah oui, elle fait mal. Plus 30% aux ennemis enflammés. Ça va commencer à faire des dégâts. Allez, 20% pour les... pour ma dynamite. Oh là 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 là. Wouhouhouhou. Et là mon gros. Oh oui, clap, cette petite dague, elle est pas mal là. Ouh, que je la kiffe, cette petite dague. Ouh, ça va piquer. Alors, notre chère sorcière. Ah oui, ça fait effectivement très mal. What? Hop, hop, reste à distance, ça, ça part. Wouhouhouhou. Non. Babadaboum. Non.
c'est le finish. Ah ouais, ça, on va enlever ça. Hop. Au revoir, la petite carabin. Hein, pour les armes lourdes. Est-ce que c'est considéré comme une arme lourde? Arme à deux mains? Ah non. Non. C'est trop important que je puisse les enflammer, mes ennemis. Ouh, ça risque d'être intéressant, ça. Oh, les ennemis standards invoquent une vermine à leur mort. Aïe, 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 aïe. Là, allez. Ça sort à distance ces petites vermines, hein. Alors ça va commencer à piquer là, hein. Ah, faut que j'augmente mes points de perception. Hop, hop. Alors. Là, ça vient par là. Ça, ça explose évidemment plus loin. Je vais la prendre celle-là. Ça fait un petit peu plus de dégâts, 10% en plus. Ça ne fera point de mal. Toi, tu dégages. Ils sont relous, ces crânes de titan.
Hop, il n'y avait pas de coffre ici. Non, rien. Évidemment. Hop. Hop. Et voilà. Ça fait du bing les dégâts. Ça fait du bing. Plus on fait de dégâts, plus on accumule de l'or, plus on accumule de l'or, plus on peut s'acheter des trucs cool. Oi ! Ça pique. Hop là. Ouf, houhou. Eh, plus que ça. Voilà. Bye bye. Allez, on va commencer à ramasser de la thune là. Il me faut de l'or, monseigneur. Voilà. Ça fait du bing. T'as 1200. Ah ouais, j'ai quasiment doublé du coup mon or. Ça, 10%. Oh, attends. Plus 60% de trésors trouvés. Ok. Il faut atteindre les 100%. Il faut doubler le matos. Les coffres d'or en fiche de la corruption qui s'ouvrent quand ils ont voilà, fait augmenter. Aïe!
Oh là là là, ça commence à poquer du derche. J'ai encore perdu trop de vie là. Hein. Oh. Attends. Ah, là, si le lion est un fouet, diffuse passivement le lion. Ça fait quoi? 35 plus 14. Ça fait 49. 38, 46. Ah, ça fait chier quand même, hein. Oh. 20%. Oh, je suis tellement dépendant. Ouais. Tant pis. Hop. Je suis vraiment trop dépendant d'infliger des attaques de feu pour que j'améliore mon arme, mon épée. La seule que je pourrais éventuellement changer, ça sera peut-être la dynamite. Hop, et voilà. Merci les rayons mortels, hein. Un peu de PV en plus, on ne dit jamais non. Et voilà! Putain, dague et feu, ça fait quand même du bien, hein? Qu'est-ce que tu nous as mis là? De l'or. Hop là. Yeah. Hop, 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 hop. Allez! Ouais, non. Je vais garder la configuration de mes armes. Faut juste que je pense à améliorer légèrement mon épée. Hop!
J'ai envie de la garder, ma petite épée. Allez, boss numéro 2. L'endurance. Oh la vache. Dommage, je me suis pris un coup. Ah ouais, les autres là, les vermines. Qu'on se débarrasse de ça. Voilà, donc ça y a pas besoin. Retirer une malédiction. Plus 3 en dextérité. Bah écoute, ça aura fait du bien. Ça va être pas mal ça. Or, or, trésor, pognon. Ouais, j'ai quoi en... Effet de soin, dégâts de base pour les dagues, pour les armes lourdes. Ah, c'est les marteaux, ça me sert à rien ça. Prendre ce chemin là. Allez, let's go pour le boss final. Ah, ils ont fait quand même très mal hein. Faut que je m'augmente la vie si je peux. Je vais avoir besoin de soins. Thank you.
Eh là mon cochon. Il me faut de la vie. Putain, il me faut au moins des objets qui me donnent de la vie là. Évidemment. Hop. Parce que avoir de la thune c'est bien. Être riche c'est très très bien. Mais avoir de la santé c'est mieux. Ok, donc là, on passe en 2-2. Qu'est-ce qui nous attend? Hop. Parfait. Hop. Bon alors, je m'en fous un peu maintenant. Bon alors, je m'en fous. Il me faut de la vie. Ok, ça va poquer du derch là-bas. Parfait. Allez, à toi. Oh, c'est un crâne doré en plus. Hop. Eh bien là. Hop. Ouh, et un de plus qui mord la poussière. Ok, les racines sont plus actives. Ok, il y a des racines là, il y a des racines là, il y a des racines là-bas. Fou. Ouf. Ah!
quelqu'un. Allez. Ah, s'il vous plaît, faudrait vraiment un temple de soins là. Putain, ça m'a fait mal quand même ce truc là. Hein. Oh, y'a rien en plus. Alors, toi là-bas. Bingo! Ah! Et qu'en plus, je double mes effets de soins, donc ça va dire, ça va être pas mal. Commence à remonter un petit peu là dans le haut de la santé, c'est bon ça. Hop. Ah, coûte combien ça? 3000. Ça me ferait 6000. Ouh, je peux faire très mal quand même. Ah, j'ai plus besoin de ça. 6 dextérité. Oh, vas-y, je vais le prendre. Hop.
Aïe! Mais ça va faire mal, ça. Ma petite dynamite. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ok, c'est un coffre comme ça. Et une bombe à pique ici. Il n'y a pas beaucoup de terrain. Ah bah ok. Oh la première taloche. Allez, combat de boss. Oh là là, merde, pas ça, les créatures additionnelles. Ah, oh, les chauves-souris. C'est juste ce qu'il me fallait pas, quoi. Allez, par ici, l'avatar du serpent! Hop! Thank you.
Et merde! Ah, il était tellement proche, quoi! Oh, midlife! Et tellement dur ce boss! Oh, pourtant, je faisais pas mal de dégâts quand même, hein! Voilà, il faut vraiment du lourd pour lui, hein! Ah, j'ai pas grand chose. Fouet, arc. Ouais, j'ai changé de boss. J'ai changé de boss. Tac, 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 lui. J'ai pas assez de peps. Alors. Faudra que je me fasse une configuration. Parce que j'ai fouet, arc qui fait du feu. Et des griffounettes. Donc ça va être celui de l'aigle. Faudrait que je reteste un peu le jaguar. Le boss du jaguar. Je crois que pareil, j'étais mort quasiment à la fin. Je m'avais un peu dégoûté, c'était long hein, le temps du jaguar. Hein. Ils ont tellement tanké les mecs, ils ont tellement des sacs à PV. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, tac, 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 tac. Super, t'es vraiment un naze. Ça s'enlève quand même, 120. Toi. Hop là, une claque sur le cul. Ah c'est 25-5. Ah c'est ça. Donc 10 c'est 50%. Pas très mal ma griffe là. Alors, hop. Lui là-bas. Eh ben on a raté un passage secret. Thank you.
peut être pas mal ça. Un truc que je joue pas trop avec la vitesse. Oh, j'ai perdu beaucoup trop de vie, hein. Ça va pas le faire, ça. Déjà dès avant même le premier boss. Oh, j'ai déjà perdu presque un quart. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Je ne suis pas encore assez doué. Ah, où c'est qu'ils sont? Yep. Voilà. On va essayer de les prendre quand même. C'est un truc que je troque souvent au début de jeu. Mais là, les dégâts critiques. J'ai une petite configuration pour faire dommage max. Ça pourrait pas être négligeable. Hop. Même avec les griffes, hein. Je pense que c'était intéressant pour les marteaux, mais je crois que c'est intéressant surtout pour les petites griffes, là, hein, les dégâts max. Les petits coups qu'on porte. Ouais, non, je crois que j'ai vu de la thune là-bas. Non, c'est bon, plus de thune. Eh bien là mon coucou. Une mine. Ah merde. Eh bien là. Eh bien, faut t'étiller un peu. Alors, non mes petites serres, elles sont pas mal n'empêche, hein. 30% des ennemis, les dégâts critiques infligent plus 20% de dégâts. Ok. J'ai un petit truc qui est pas mal, configuration. Attends, je commence 30% au coup critique. J'ai 4%. Ah, ça peut être pas mal, hein. Supplémentaires. Ah, je vais faire des gros dégâts. Alors, ça le disparaît. Ok. Faudrait juste que j'augmente ma constitution.
fait. La parade renvoie les projectiles. Ça, on s'en fout. Ça fait quand même une malédiction en moins. Toujours ça de prix. Ok, on a des mines. A bien défoncé rapidement. Allez le boss. Et voilà! Sans perdre un seul PV! Et on est propre comme un sous neuf. Le poison, on s'en fout. Un peu la sécurité, il faut que j'augmente légèrement les stats. Et merde. Voilà, ça c'est bye bye.
Ah, on va te taper de loin, toi. Parfait! T'as ce petit fou électrique, il vient à point nommé là. Hein. Alors, ouais, non, 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 non. Donc ça, c'est good. Hop là, tu restes là-bas toi? Allez, on va voir si on peut pas... Ouh, le coffre-fort. Faut absolument que je remonte ma vie quand même. Alors, le petit fouet. Je perds trop de vie, je perds trop de vie. La vache.
Ça sent le coton pour moi. Ok, il n'y a rien ici. Passer par là un petit peu. Ok. Hop. Hop. On est bien. Pas d'or. Ouh. Ça va être pas mal sur la longue, ça. Ah la vache! Oh là 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 là! Ça commence à sentir le pâté sévère, hein. Suffisait de le dire. Pff, wow, ce jeu est v'là dur. Oh. Allez, dernière tentative de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh. On va tester avec ces petits shuriken. Ah, c'est pas mal. Alors, inventaire. Les esquives parfaites déclenchent des volets de projectiles. 50% dans les ténèbres. Ok. Ah,
Pas mal ce petit shuriken. Moi de faire un truc sympa aussi hein, si je les level up. Combien de dégâts? 15. Enfin, les affixes de l'arme principale sont doublées. Attaque de foudre. Regardez ces petits shurikens. Changerai peut-être à la fin. Hop. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison. Hop. Ça, ça nous casse les noix. Voilà. Un coup de bras. Ok. Attends, celui-là, ouais, plus 50% dans les ténèbres. Hop. Voilà. Faut que je change mon fouet.
On commence à taper dans le capital globule rouge. Je vois si je peux pas avoir un truc qui peut empoisonner quand même aussi. Ah, la corruption augmente passivement. Faut que je me magne. Faut que je fasse moins de 20. Et 2, ça fait 10 interruptions. Mais sérieux, plus je me mine, plus je me prends des dégâts. Oh, ça va pas, hein. Plus je veux me manier, plus je me fais mal. Oh là là. Ça pour un peu d'or.
Et voilà! Attends. À chaque ennemi tué, ok. Il faudra que je prenne mon bâton sur les ennemis faibles. J'ai failli me la prendre sévère là. Ça, on s'en fout. Putain, je crois que j'en ai déjà un. Putain, ça pourrait faire 200%. Oh, 200% de ce que je donne aux dieux. Ah, mais c'est intéressant ça. Qu'on pleine du sang. Ok, on va glouglouter.
là là là. Oh la vache! Ah, oh, tant pis, je me suis fait avoir comme un con. Hop. Bon, je recommencerai pas, hein. Trois fois perdu. Je suis trop naze. Ah, ce jeu, il va me rester sur les dents. Bon, et bah tant pis, on rentrera une prochaine fois. On est juste au premier palier, hein. C'est pour dire à quel point on n'a pas fini d'en chier. Bah sur ce, bon dimanche à tout le monde, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!